Coucou, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous recevez cette vidéo. Je tiens à dire merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Si toi tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner aussi. En route pour mon autre métier. Oui, prothésiste ongulaire. J'aime tellement ce métier, vous savez. Aujourd'hui, il fait ma fierté. Mon envie de faire les choses en grand, de transformer les petites choses que je touche en de grandes choses a été plus forte que moi. Au début, c'était juste une envie d'avoir toujours des ongles propres et jolis à la vue. L'amour du travail m'a poussé à me perfectionner, à faire des recherches pour approfondir mes connaissances afin de devenir une professionnelle dans le domaine et de produire des résultats à la hauteur de vos attentes. Oui. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Mais bref, tout ce que vous entreprenez de faire, même si les débuts sont difficiles, pensez grand au fur et à mesure que vous avancez. Pensez vraiment grand, aussi petit soit la chose. C'est à vous de donner la valeur à tout ce que vous touchez dans la vie. C'est à vous de faire en sorte que les autres envient votre métier. Si toi aussi tu fais partie de cette catégorie de personnes que l'on suit juste pour voir à quel moment elle va tomber, fauter ou tituber afin de la critiquer, rabaisser ou se réjouir de ses malheurs, sache que tu es dans la bonne catégorie. Car pendant qu'ils attendent ta chute, toi tu te bats pour ne pas chuter. Cela te rend plus forte, plus brave que tu ne l'as été hier. Ne te plains pas, sois juste confiant. N'aie pas peur de réussir. N'aie pas peur de la difficulté, n'aie pas peur des échecs. Les personnes qui vivent dans la peur ne réalisent rien. Je ne veux pas vous voir dans cette catégorie, mes braves. Trouvez en vous ce que vous savez faire le mieux et exploitez ce talent. Testez vos limites et faites des bilans. Seul vous, oui, je dis bien vous, savez d'où vous venez et où est-ce que vous allez. Alors ne vous imposez pas de limites pour réussir dans la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas, donnons de la valeur à tout ce que nous faisons.